Aujourd'hui, c'est pour l'épisode 3 de Pokémon saison 2 Crystal. Et donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui, mon cher Drake? Oh, la centrale. Allez. Blondine. Allez. Donc, chargé, programme chargé pour ce. Donc, ici, c'est le train magnète. Ça relie ici à Doublonville. À Doublonville, tout à fait. Un petit trou comme ça. Mignon. Quel hostiste. Donc vous reconnaissez, hein, c'est Kanto, hein, c'est les mêmes routes et tout. Vous voyez, là. On a la pension qu'il y avait avant. Je sens une présence maléfique planer sur toi. Prends donc ce talisman. Gold reçoit une purificatrice. Poche objet complet. Ah, troll. Ma mémé est à fond dans le truc par la main, excuse-la, elle a dû te faire peur, hein. Bah, un petit peu avec son... Ah. Et donc, nous nous retrouvons ici à Azuria. Donc ici... La ville Azur. Hop, c'est fermé. En fait, c'est le mec qui... Qui vendait les vélos. En fait, ouais, voilà. Ben, celui qui vend des vélos à jeteur, en fait, il a coulé son entreprise ici, en sans faire exprès. Ici, heureusement, on a la reine qui est pas là. Oui, la championne. Putain, c'est vrai, j'avais oublié ce léger détail. Qui est pas là. Donc, il faut la chercher. Et après l'avoir cherchée, il faudra la trouver. Et après avoir la trouvée, il va falloir la défier. Et après avoir l'affronté, il va falloir gagner. Mais ça, c'est que détail. Alors, après, par là, c'est pour rejoindre... Le mont Sérénité. Mais... Un certain petit gros problème. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas de passage. C'est quoi, ça? Ça, c'est... Je sais pas. Il y a une affiche ici. Non au vol, oui au bonheur. Police d'Azuria. Ah, c'est pas la maison qui s'était fait cambrioler? Mais si! Ah, si, c'est la maison qui s'était fait cambrioler dans le premier opus. Donc le pont pépite. Qui est vide. Normal. Il était censé avoir 5 graisseurs. Par là, on rejoint la grotte de Mewtwo. Enfin, dans le premier opus. Ah oui, et dans les remakes aussi. Dans les remakes? Et ils sont là, les 5 dresseurs. Bah, les 6 dresseurs. Bon. Pour gagner un prix, tu crois en être capable? 6. Tout le monde. Ah oui, mais je crois qu'ils ont les niveaux. Je crois qu'ils avaient les niveaux normaux. J'ai eu une légère peur. Ils sont que niveau 35? C'est vrai qu'ils étaient niveau 9. Je sais pas, moi. On speed un peu les combats, parce que c'est pas des combats très intéressants, et encore. On speed pas beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on tourne cet épisode le lendemain de l'épisode de 2. C'est-à-dire dimanche, en effet. Ouais, parce qu'on avait laissé un petit peu les vidéos de côté à cause de nos les études. Et oui, mais là, et là c'est les vacances. Enfin, on est en stage, mais... Non, vu qu'on est en stage, c'est pas négra. Ouais, il a psycho, en fait.
On voulait vérifier parce que comme on a vu la séance psycho récemment. Alors, numéro 3, qu'est-ce qu'il a? 5 nœuds. Ah, c'est 3! C'est free. Il va se battre contre Shuma, il va perdre. Alors, 56, 56, 56, 55, 56. Là, on va essayer de les passer tous 56 comme ça pour le fun, pour rester, pour garder une équipe dans le genre un peu équilibré. Par contre, cet épisode il sera chargé au combat. il sera je sais pas quelle intro je vais vous mettre pour cet épisode, je vous le dis tout de suite. Je pense que je vais remettre l'intro du début. Parce que l'intro de trou, merci quoi. Je vais remettre l'intro du début. Oula, ça c'est un combat de titan. Un combat de titan, coup de corps, souplesse. Faut pas t'énerver. Je peux énerver en fait. Hop, le dernier rempart, autant te dire, ça va être dur. Le dernier rempart, vous savez ce que c'est? Non. C'est la paroi muqueuse. Ça... Blablabla. Pourquoi j'utilise des attaquants? C'est un Pokémon d'insecte de Wool demande. Même on va répondre en commentaire s'il vous plaît. C'est juste que je suis un peu con. Arrête-toi, plaque-le au sol. Ah non. Plaque-le, retourne et on laisse son pub. Cherchez pas, il est con. Pas grave, vous inquiétez pas. Ta ta ta. Il a quoi lui? Porygon. Bah c'est pas tout le monde qui l'a ce Pokémon. Je vous rassure, triple attaque est une attaque normale. Je vais pas avoir peur de cette attaque. Bien sûr! Ah oui, on a un coup sur nous. Magnifique. Tu as livré des combats de clés, tu remportes donc Caprio, ça pépite. Allez, dernier combat. Contre Kevin. Ah, t'es mal tombé toi, Rhinocorne là. Alors, Rhinocorne et KO. Meganium, bientôt niveau 56. Il se bat contre des mouches, quoi. Je cherche pas. C'est ça les goûts bizarres. Pourquoi je l'ai gardé? Bon, ben tant pis, ce sera pas pour tout de suite le niveau 56. Donc là, on vous a dit, on se dirige vers un endroit, mais à votre avis. Vers où on se dirige? Vers Léo. La maison de Léo, comment tu casses tout le suspense? En moins de 2 saisons. Tu connais Léo? C'est mon petit-fils. Il est à Johto. Il est à Johto. Avec le truc sur la gorge. Il est à Johto. Alors moi, Léo, mon petit-fils, m'a parlé d'un Pokémon avec une longue langue. Si tu as ce Pokémon, peux-tu me le montrer? Non, je ne peux pas. Parce que je l'ai pas, il parle d'excellent, mais ça coule de source. Oh, t'es dégueulasse. On va faire un petit passage au centre Pokémon. Pour s'entraîner au Pokémon. On ne cherche pas, il est con. Pourquoi je tape sur la rotule? Légèrement de faire mal. J'espère que vous nous entendez bien, parce qu'on est un peu loin là, quand même. Un tout petit peu, ouais. C'est carrément couché. Oh là là, je suis fatigué. Oh non, c'est pas par là. Hein. C'est par là. Hein. Ouais. Là, on va se diriger vers la centrale. Le pire endroit où vous pourrez trouver ma jolie. Ok, je sors.
Et même Meganium, il passera jamais niveau 56, c'est pas possible ce truc. Enfin! Oui, il est passé niveau 56! On a lu. Ne jette pas tes papiers gras au sol, parce que c'est mal! Das Figenich, le nucléaire! Ouais, elle aussi, c'est pas joli. À part qu'elle est brune. Elle est pas jolie, elle est blonde en fait. Pas mal en fait, elle est norvégienne. Enfin, elle est française, mais elle est norvégienne. Donc, en fait, c'est pour ça. C'est. Voilà. T'en fous. Das Figenich, le nucléaire! Moi j'ai toujours trouvé que lui et sa pré-évolution c'était les mêmes en fait. À part qu'il y en avait un qui était plus musclé. T'es pas d'accord? Si. Ah quoi quoi? Ah ah, intéressant. Oh, puis voilà, c'est calmé. Ah, puis intéressant. Sablero. Ah ah, copieur! Tiens, un. De poule. Pour pas dire autre chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si vous avez eu le temps de lire, mais il disait, elle monte le mot argent à cheval. 30 heures. Excusez-nous, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on arrête l'accélérateur pendant ces combats inutiles. Parce que c'est des combats inutiles. On est légèrement fatigué, dis donc. Donc on vous propose cet épisode. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller battre. On va aller faire. Enfin résoudre le problème qu'il y a à la centrale. Donc on va aller inspecter les lieux un peu. Arrête d'entrer les mécaniques. Pourquoi? Niveau 57. Et alors? Je vois, je me sens fou, Pierre. Non, rien, je voulais juste vous montrer l'entrée, la, la grotte. Donc ça c'est la première grotte dure du jeton. De Kanto. De Kanto, ouais. Elle est pas si dure que ça, mais... Quand j'étais petit, j'ai passé des plombes. Enfin, après tout, monsieur a commencé sur rouge feu, donc c'est sûr que c'est plus simple. Ouais, c'est vrai que moi, rouge feu, je connais à peu près presque tout, quoi. Pas mal ça. Je serais gêné de mettre Arcana, tu sais que tu vas traverser quelque chose. Un voleur s'est introduit dans la centrale, mais où va le monde hein? À sa perte. Mais où va le monde? Cette centrale a été abandonnée il y a longtemps, on l'a relancée pour donner de l'énergie au Tramagnète. En fait, c'est dans cette centrale qu'il y avait Lector avant. Ouais. Quelqu'un a volé une partie essentielle du générateur, sans elle, rien ne marche. En même temps, ça fonctionne, ça peut pas marcher. Je collectionne les Pokémon, as-tu Triopika? Tu me l'as changé contre Magneton? Non merci. Le Tramagnète, s'il ne bougera pas, si le nouveau générateur ne marche pas. Le patron de la centrale est plus loin. Attention, il est furax depuis que quelqu'un a tout bousillé son joli générateur. Vous vous souvenez de ce sol? C'est le même chez les Team Rocket. Je vais exploser! Faut que je me défoule! Qui a cassé mon générateur? Qui? Je les mets tant! Comme mon bébé, s'il attrape cette crapule, il aura le droit à un coup dès les canons. Et voilà, nous avons réglé fini... le. Ouais, nous avons fini l'histoire de la centrale. Oh, putain. Oh. On raconte des trucs hein, sur un drôle de type rôde dans les influences. C'est flippant. Tu veux bien m'aider? Non, moi je vais aller à Carnat-sur-Mer. Je vous foutre les boîtes. Donc le plateau indigo, c'est là où il y a la ligue. Qu'on a déjà battu. Nous revoilà à Azuria. Et on va aller à l'arène. Et là on rencontre un mec flippant. Oups. Qu'on a déjà vu quelque part. Oups. Pardon. Vas-y, fais là-bas. Tu vas bien? Je suis occupé, pas le temps. Au revoir. Tu m'as pas vu? Ok. Oh, tu m'as vu. C'est pas bon ça. Et toi, tu oublies que tu m'as vu. Ok? Allez, adieu. Adieu. Ok, c'est bon. Et on va affronter. Non, je déconne. Bon, on suit ou pas? Bah d'abord faudrait peut-être récupérer la petite pièce. Ouais, c'est bon. Oui, je connais le jeu, excusez-moi.
En fait, là, on vient de récupérer la partie machine, donc c'est la partie qui manque au générateur. Que le champion, que le membre de la Team Rocket a eu la judicieuse idée de le cacher dans une arène. Mais je regardais s'ils allaient pas se refaire cambrioler. Il y a une Team Rocket qui rôde dans les parages. Je sais plus où faut aller. Je vais à la centrale. Je retourne à la centrale. Non mais ils sont pas chiants en fait. Ils ont pas pu faire un petit aller simple avec vol. Non. Ça va encore, c'est pas la mort ce chemin. Pas comme si nous faisait refaire la grotte tous les 6 minutes. Heureusement. Facile, enfin, si, elle est longue, hein. T'as des dresseurs partout. Nul. Bah, partout quand même. Ah oui, c'est la partie manquante de mon joli générateur. Tu l'as retrouvé? Haha, merci. Tiens, prends cette CT. Regarde, ça c'était 7. Mais qu'est-ce que c'est? C'est les canons à coup sûr. C'était 7 et les canons. C'est une technique très puissante. Elle n'est pas très précise, mais elle dépote. Et non, elle décapote. Fais-moi confiance. Voilà, donc on a réenregistré le tramagnète. À plus. Con. Qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas. Pourquoi t'as pas fait viol? Ouais, pourquoi? Allez, mon enfant, viole de tes propres ailes! Et non de tes propres boules. J'en ai Ça mec, une fille. aucune idée, je veux même pas savoir. Et tu vas où? L'arène? Ok. On va la faire? Allez. On peut maintenant? T'as pas oublié ce que tu. C'est cool, on l'a déjà capturé. C'est pas pour. Non, mais j'ai oublié, on dîne, tout à fait. On va retourner chez Léo. J'ai quand même l'impression que cet épisode, on galère un peu. Normal, il y a des trucs techniques à faire. Bon. Enquêter, Ah, détecter. voilà. Ah, pourquoi t'es là? Toi, tu nous as dérangés. Ça se voyait pas que j'avais un rencard? Allez, laisse-moi te dire une chose. Oh, tes badges, ils viennent des arènes de Johto. Si tu en as 8, c'est que t'es pas une mauviette. Ok, viens à l'arène d'Azuria. Je te lance un défi. Je suis Ondine, la championne d'Azuria. Ah bon, ben on va aller la défoncer. Ouais, on va lui défoncer l'arrêt. Et l'avant. Et la démanta. L'arrêt manta. Je me mets avec et je sors. On va se préparer en faisant un petit tour à la centrale juste avant. À la centrale. Au centre Pokémon. Oh! Des dresseurs sont apparus dans son arène. Allons les affronter. Je nage trop bien, ça t'énerve? Dis-moi, t'as pas Arcanin? Allez, Arcana. Poisson roi. Lance-flamme! J'y crois pas, ça lui a envoyé. Ça lui a enlevé la, les 3 quarts de ses points de vie. Bon, d'accord, on a plus de 20 niveaux de plus. Sérieux? Ah ouais. Oh, la honte! Mais quelle bande! Non, Fang. Je sais pas ce que t'as en ce moment. Mais t'es une vraie merde! Tu dois être enceinte. Suffit. Ouais. Tu connais pas Bon, Norfang est trop mauvais pour nous. Allez, on va utiliser un petit Pokémon bien sympathique. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ah ouais, vas-y, dis. Non, j'allais dire, y a pas une arène glace, mais il n'y en a pas. Non, on l'a déjà faite. Au niveau 35, mais j'espère qu'on dit n'allait pas à ce niveau-là. Hein. Non, 36. Mauvaise blague. Elle a quoi un pot sirène? Qui ça? Bah elle. C'est la dernière championne juste avant. La dernière dresseuse juste avant. Bon allez! Nous allons désormais affronter. Tu veux le faire? Ouais. Allez, c'est parti. C'est Drac qui joue là pour affronter Ondine, attention. Donc on est sûr de perdre. Je t'attendais, toi. Tu as peut-être des badges de jeton, mais tu vas quand même te prendre une sacrée raclée. Les Pokémon aquatiques sont trop forts. Ok. Tu parles. Bon.
C'est là. Mais je n'utilise pas pour un champion d'arrivée. On dit une champion veut se battre. On dit une champion on voit. Aquaquake. Dracolos. Go! Ah, niveau 42. Souplesse. Ça aurait été pas plus intelligent de faire cage éclair avant. Putain. Psycho. Depuis quand Aquaquake a psycho? Eh ben depuis que il est haut et psy. Cruel. Est-ce qu'il est haut et psy? Je crois qu'il est devenu de type haut. Je sais pas du tout. Ondine va utiliser. L'eau classe alors. Je n'aime pas l'eau classe alors j'ai envoyé Meganium. T'es con, tu le fais exprès. Moi je crois qu'il m'en veut plus de pelé. Tranchère, bam. Pourquoi tu pourrais m'enlever plus de paix? Laser glace. Dans son pic. Je reviens, je vais me suicider. Ouais, ça va, ça a pas été trop dur. Coup critique. Là, on va se bouffer Staros. Ou Marest, tiens. Staros. Et après, le dernier Pokémon, je crois que c'est Marest. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être. On a 10 niveaux d'écart. Seulement. C'est beaucoup. Et... on n'a même pas dû s'entraîner autant. Troll. Tolala. Et c'est Staros qui a des airglaces. Bah, il peut. Il peut avoir Fatal Foudre aussi, si tu veux. C'est fait. En fait, j'espérais qu'elle n'utilise pas. Marest. Marest. Un type sol est haut. Tu vas changer, bien sûr. Oui. Arcana. Oui. Allez. Mais non. La gadosse. Fallait mettre Arcana. Ouais. Remarque, deux gros Pokémon comme ça. Deux grosses feignasses. On va utiliser Ballombre. Point glace. Ouais. Non, c'est pas Mercana. Surf. J'espère que ça va le tuer. Bon, eh ben, ça n'a pas été difficile. Ouais. Oh merde. Tiens, voilà le match cascade. Gol remporte 4700 Pokédex. Moi je reprends les manettes. Hein. Gol reçoit le badge cascade. Y a-t-il des dresseurs doués à Johto? Un peu comme toi. Je vais y aller un jour, ça me fera un entraînement. T'aurais bien besoin de la petite. T'as foutu une branlée. Bon alors, on va aller où maintenant à votre avis? La centrale. Devant le centre Pokémon. Qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale toi? Je vous dis au centre. Ah mais tu fous de ma gueule. T'es souhait. Merci. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous nous avez bien entendu tout au long de l'épisode. Excusez-nous, on était un poil fatigués. Ça ira mieux les autres épisodes. A plus de vous. Putain, il m'a fait bailler ce temps pour. On vous dit à plus pour le prochain épisode qui sera certainement... prochaine fois, cela ne nous regarde pas. Allez, ciao. Bus. Dans le bus.